Salam alaykoum wa rahmatullah. Bienvenue dans la suite de la leçon d'orthographe, l'accord de l'adjectif qualificatif. On continue avec la question numéro 4. Une attente d'un féminin sans prévoir là le masculin. Audacieuse, j'ai rien. Sinon, le masculin dit là. Il y a les zones et l'autre, il y a les S, ou la kin. Donc, S va être rire, ou la kin, d'accord? Bavard, farfarat. C'est le masculin d'elle. Donc, il y a un des pluriels, c'est un zoul, est-ce d'elle pluriel, on dit qu'il y a un E, asli ou la, ou la, tabac le féminin. Vieille, kabirat ou maintenant piscine, vieille, wahed, masculin, vieux, d'accord, grand, la masculin, sni, pluriel, d'elle, d'accord, bonne chance. Continue avec la question numéro 5. Remplace le nom dans les phrases par celui entre parenthèses. Indihna, le nom, je vais le remplacer par les entre parenthèses. Attention aux accords. Les accords. Les machines viennent de remplacer. Ça fait que l'adjectif qualificatif. D'accord? Une fille mince. Donc, une fille mince, un garçon, je crois, n'est le E, il n'a pas de l'air, mais j'ai dit féminin, d'accord. B, une femme habile, une femme habile, un homme habile, je connais le E, le L. Une neige glaciale, celle que je mets, une neige glaciale, un vent glacial, taïa, avec une chevauche E, aslia, ou la diel féminin. Avec un diel féminin, c'est une zone. D, une information vraie. Ouais, l'information, la haluma, vraie. Naya, na E, diel, vraie. Avec une nartani, événement pluriel, masculin pluriel, événement qu'un colon, un événement, le pluriel est là, des événements. Donc, il y a une information, on a oudra, des événements. Vrai, on a dit trahir, tabac. On a masculin pluriel, on a dit singulier féminin. Donc, E. Une personne célèbre, une personne célèbre, un personnage célèbre, donc F, une leçon facile, on a un rôle des exercices faciles, donc quand on dit une leçon, féminin, singulier, des exercices masculin, pluriel. D'accord? Un tablier blanc. Oui, c'est là. Un tablier qui fait jamais l'un de l'autre. Blanc. Un tablier blanc. Donc, il monte un tablier. On a mis des feuilles. Un tablier blanc. Des feuilles blanches. Hein? Un tablier, c'est masculin singulier. Des feuilles, c'est féminin pluriel. On passe à la question numéro 6. Choisis le bon accord de l'adjectif qualificatif. On a trois accords de l'adjectif qualificatif. Je connais le bon. Je n'ai pas le bon. Il a qu'un féminin dans le tronc 1. Il a pas de signe. Il a qu'un pluriel dans le tronc S. Il a qu'un féminin pluriel, ça te connaît ES. Ou il a qu'un masculin qui connaît. D'accord? Sur la phrase A. Elle est assise, ou la assise avec S. Je connais les vrais. Il a chifna le pronom elle, hia. Donc c'est féminin. La réponse est très simple. La phrase B. Ce sont des herbes, l'herbe,
سش سك سك سش شكون لي صحيحة؟ هنا لي زرب كما قلنا نقولو أن دونك سي ماسكولان بلوريال شكون هو في هادو اللي غادي يكون كيعبر على الماسكولان بلوريال دونك اللي فيهم اش راه فيهم هنا دي مساعدة بسيطة il prend des cours ياخد دي كور ولا دروس كوتيديان 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 دو جيمناستيك ديال الجيمناستيك دونك هنا il prend des cours فين هو لو نون هنا اللي كان نكاليفيو اللي كنا نعطيو هو دي كور دونك نقولو ان كور دونك سي ماسكولان بلوريال شكون في هادو لي ماسكولان بلوريال في هاد لي تخوا زادجيكتيف لي قام هو اللي غادي يكون صحيح ونعاود نكتبو في السطر la le homme كنوصفو l'homme واش كنقولو le vieil homme le vieux homme le vieil homme le vieil homme شكون اللي صحيحة في هذا داكوغ le vieux entre entrer brusquement دخل brusquement دخل فاش اتى e les غادي نوصفو maison كنقولو une maison ولا un maison une maison donc c'est féminin مع الاس féminin pluriel. Donc je compte les trois adjectifs les voix féminin pluriel. Je petite avec e, petit avec s, petite avec e s. Donc d'ailleurs les petites maisons se trouvent sur la colline. La colline voit tel. Passons à la question numéro 7. Relève les adjectifs qualificatifs dans les phrases et précise leur genre et leur nombre. Alors, on relève l'adjectif qualificatif. On bino wash masculin ou la féminin. D'avoir le genre. On bino wash singulier ou la pluriel. D'avoir le nombre. Donc, il y a quand même un mufrad mudakkar. On dit masculin singulier. Ou un atjam féminin pluriel. Donc, ce n'est juge dial. المعلومات على l'adjectif le genre et le nombre A je voyage pendant les vacances estivales je voyage pendant les vacances estivales انا نعاونك باش تجبر l'adjectif qualificatif d'accord كيما المره اللي فاتت je voyage pendant les vacances estivales comment sont les vacances comment sont les vacances دونك هنا بان لادجيكتيف ديك الساعه غادي نشوف انايا نعطي لو جونغ ديالو او لو نومبر داكوغ يعني جوج معلومات وغادي تسطر طبعا ولا غادي تغولفي يعني تستخرجو وتقول سي ان لادجيكتيف كدا ماسكولين بلوريال سانجولي فيمينا سانجولي او يعني على حسب السؤال On voit dans le ciel des nuages gris errant. Qu'on chauffe dans le ciel des nuages gris errant. Qu'on chauffe dans le ciel des nuages sahabat, grises. Des nuages gris. Yani, ramadia ou daeri. On a sur Albert Sanfajou l'adjectif. Commençons les nuages. Commençons les nuages. D'accord? Qui va sûrement les nuages. On a deux adjectifs. On va tenter le type de le genre d'élèves et le nombre d'élèves. Les élèves étaient attentifs au discours de l'écologiste. Les élèves étaient attentifs. Ils ont attentifs. Ils le discours ou la dars ou la muhadara l'écologiste. D'accord? Alim el Beya. Donc, les élèves étaient attentifs au discours de l'écologiste. Soual, je vais vous l'adjectif. Comment étaient les élèves? Comment étaient les élèves? Donc, ça fait arfna l'adjectif. L'exan bin le genre dialogue ou le nombre. La dernière question. La forêt est sombre. La forêt est sombre. Le rabat mouz lima. Donc, la forêt est sombre. La question, l'adjectif. Comment est la forêt? D'accord? Ahna arfna l'adjectif. L'exan chouf wesh. Féminin pluriel, féminin singulier, masculin pluriel, masculin singulier. D'accord? Bonne chance. À la prochaine, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.